Bonjour et bienvenue dans cette leçon d'orthographe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord des adjectifs qualificatifs. Cette leçon s'adresse au CE2, CM1 et CM2, ainsi qu'aux débutants en français. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle mascotte, Arthur. Arthur qui va nous accompagner pendant toutes ces leçons. Salut Arthur! Voyons ensemble comment accorder un adjectif qualificatif. La règle générale prévoit que l'accord se fait en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. On accorde donc l'adjectif qualificatif avec le nom auquel il est rattaché. Exemple, des avions blancs. L'adjectif qualificatif blanc est rattaché au nom avion, qui lui est masculin et pluriel. Par conséquent, blanc prendra la marque du masculin, c'est-à-dire blanc, et de la marque du pluriel, c'est-à-dire qu'il prendra également un S en terminaison. Cette définition va nous permettre d'organiser la suite de la leçon. Dans un premier temps, nous verrons comment l'accord de l'adjectif qualificatif se fait en passant du masculin au féminin, et dans un deuxième temps, nous verrons comment l'accord de l'adjectif qualificatif se fait en passant du singulier au pluriel. Voyons ensemble comment changer le genre de l'adjectif qualificatif, c'est-à-dire comment fait-on pour le passer du masculin au féminin. La règle générale veut que pour mettre un adjectif qualificatif au féminin, on lui ajoute un « e » à la fin. Exemple, grand donne au féminin grande. L'adjectif qualificatif fort donne au féminin forte. Mais attention, il y a des cas particuliers que nous allons voir ensemble. Voyons ensemble les adjectifs qualificatifs qui prennent une forme particulière lors de leur passage au féminin. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par F donnent un adjectif qualificatif féminin qui se termine par VE. Exemple, naïf donne au féminin naïve. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par C donnent une terminaison en CHE lors de leur passage au féminin. Exemple, sec devient sèche au féminin. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par L, EL, donnent au féminin une terminaison en E, 2LE. Exemple, cruel donnera au féminin cruel, E, 2LE. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par EIL, EI, donnent au féminin un adjectif qualificatif se terminant par EI2LE. Exemple, pareil au féminin donnera pareil, EI2LE. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par ER donnent au féminin une terminaison en E accent grave RE. Exemple, fier. ER donnera au féminin fier, FI, accent grave, RE. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par ET donnent et, E de T, E au féminin. Exemple, coquet, ET, donne au féminin coquette, E de T, E. Une particularité, il y a une autre exception dans l'exception, c'est-à-dire que les adjectifs masculins qui se terminent par ET donnent et. E accent grave TE pour certains cas au féminin. Exemple, discret donnera au féminin discrète E accent grave TE. Les adjectifs qualificatifs se terminant par ON au masculin donnent au féminin O2NE. Exemple, bon donnera au féminin bonne. Les adjectifs qualificatifs masculins se terminant par UL vont donner un féminin en U2LE. Exemple, nul, UL, donnera au féminin NU2LE, nul. Les adjectifs qualificatifs se terminant par S donnent 2SE en finale lorsqu'ils passent au féminin. Exemple, gras donnera au féminin grasse, GRA2SE. Les adjectifs masculins se terminant par OT donneront O de TE à la forme féminine. Par exemple, saut donnera au féminin saute. Les adjectifs qualificatifs masculins en heure donneront leur féminin en euse. Exemple, menteur, menteuse.
Enfin, les adjectifs qualificatifs masculins en -er peuvent aussi donner -tris en terminaison lorsqu'ils passent au féminin. Exemple, amateur, amatrice. Nous venons de voir quelques cas particuliers. Voyons ensemble maintenant quelques exceptions. Il existe aussi des adjectifs qualificatifs qui ne suivent aucune règle pour leur passage au féminin. Il faut donc les connaître par cœur. Beau donnera au féminin belle. Bénin donnera au féminin bénigne. Favori donnera au féminin favorite. Fou donnera au féminin folle. Frais donnera au féminin fraîche. Malin donnera maligne. Tiers, tierce. Et vieux donnera au féminin vieille. Nous venons de voir comment passer d'un adjectif qualificatif masculin à un adjectif qualificatif féminin. Voyons maintenant ensemble le passage d'un adjectif qualificatif singulier à un adjectif qualificatif pluriel. Les adjectifs qualificatifs font leur pluriel en ajoutant un s à la fin du singulier, sauf si l'adjectif singulier se termine par un s ou par un x. Voyons ensemble quelques exemples. La belle viande donnera au pluriel les belles viandes. L'adjectif qualificatif belle prend un s puisqu'il s'accorde avec viande qui est au pluriel. Un chat content, un peu comme Arthur, n'est-ce pas Arthur ? Donnera au pluriel des chats contents, qui prendra donc un s puisque content, l'adjectif qualificatif, s'accorde avec chat qui est au pluriel. Voyons la deuxième partie de la définition, c'est-à-dire que si l'adjectif singulier se termine par un s ou par un x, il prendra la même forme au pluriel. Exemple, un affreux fantôme. Affreux, l'adjectif qualificatif, prend un x. Par conséquent, au pluriel, il ne changera pas. Cela reste des affreux fantômes, affreux avec un x. Un exemple avec le s, un gros sac donnera au pluriel des gros sacs. L'adjectif gros, qui se termine par s, prend la même forme au pluriel. Voyons maintenant ensemble quelques exceptions. Arrêtons-nous sur quelques cas particuliers. En effet, les adjectifs qui se terminent par al ou par eau ne respectent pas la règle générale. En effet, dans leur passage au pluriel, eau prendra un x, exemple, beau donnera beau au pluriel avec un x. Si l'adjectif qualificatif se termine par al, la terminaison au pluriel sera o-a-u-x. Exemple, loyal donnera au pluriel loyaux. Dans ce dernier cas particulier, il subsiste plusieurs exceptions. Les adjectifs qualificatifs bancal, fatal, natal et naval vont faire leur pluriel en al, font leur pluriel en al et non en o. Exemple, un chantier naval donnera au pluriel des chantiers navals. La suite de la leçon est un complément pour les CM1 et pour les CM2. Voyons ensemble une difficulté qu'il faut bien prendre en compte. Ce sont les cas particuliers des adjectifs de couleur. En général, un adjectif de couleur composé d'un seul mot s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Une robe bleue donnera au pluriel des robes bleues, ES. On applique donc la règle générale d'accord des adjectifs qualificatifs, sauf si l'adjectif de couleur provient d'un nom, il est alors invariable. Voyons ensemble quelques exemples. L'adjectif qualificatif rose restera donc invariable car il correspond à un nom, une rose. Même idée pour fauve, car fauve se réfère au sens large aux mammifères carnivores et en particulier au grand félin. Pourpre est le nom qui désigne une teinte rouge violacée profonde d'origine animale. L'orange est un fruit. Et enfin, les marrons, qui est le fruit de l'arbre du marronnier. Prenons deux exemples. Les chapeaux roses. Rose, faisant référence à la fleur, il ne s'accorde pas avec les chapeaux qui sont au pluriel. Deuxième exemple, les pulls marrons. Marron est le fruit du châtaignier. Par conséquent, son adjectif, même si le nom auquel il se rapporte est au pluriel, ne s'accorde pas. Ils sont, ne l'oubliez pas, invariables.
Pour terminer la leçon, voyons ensemble le cas particulier des adjectifs de couleur composés de deux mots. Ceux-ci restent toujours invariables à la différence des adjectifs de couleur classiques. Exemple, une robe rouge vif donnera au pluriel des robes rouges vifs. Une voiture bleu marine. Bleu marine est l'adjectif qualificatif composé de deux mots, bleu et marine. Bien que la voiture soit au féminin, celui-ci ne s'accorde pas. Il est invariable. La leçon est désormais terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez d'autres leçons en vidéo sur www.ladictée.fr. Salut Arthur !